C'est un grand plaisir pour nous de savoir qu'avec le mérite, je peux rester dans un bureau et suivre sur un terrain ce qui se passe. Ça, c'est l'effet du numérique. Et aussi que nous puissions suivre les différents mouvements de ces groupes hors la loi et savoir où ils vont pour pouvoir les neutraliser à tout moment. Cette année, nous célébrons la 18e édition de la Semaine du numérique, qui est une manifestation annuelle à caractère national et qui a pour but de promouvoir et de vulgariser le numérique auprès des populations, des acteurs du monde socio-économique, mais également des décideurs publics. Donc, le thème de cette année, c'est le numérique, levier d'inclusion et de résilience face aux crises. Ce thème a été choisi au regard du contexte de crise sécuritaire et humanitaire de notre pays. Et cette crise est également vécue par nos pays frères et amis du Mali et du Niger et qui forment avec nous l'Alliance des États du Sahel. Il était important pour nous de les avoir avec nous au cours de cette semaine-là pour pouvoir échanger sur cette thématique-là, pouvoir réfléchir avec tous les acteurs, non seulement du numérique, de l'action humanitaire, de la sécurité, de la défense, de la communication, de l'éducation, afin d'identifier les défis auxquels le numérique peut répondre pour juguler ces crises-là, réduire leurs impacts sur nos populations et aussi augmenter leur résilience. L'honneur nous a été fait de nous inviter ici en tant qu'invités d'honneur. Et cela ne nous surprend pas du tout de la part du Burkina et peut-être demain du Niger, parce que la complémentarité entre nos États, elle est très claire et bien établie, et les liens sont multiséculaires. Donc aujourd'hui, nous partageons tout. Nous avons les mêmes difficultés, les mêmes adversaires, les mêmes ennemis, les mêmes défis, et nous cherchons ensemble les mêmes solutions. Et nous pensons que le numérique aujourd'hui qui envahit tous les secteurs peut être utilisé pour résoudre une grande partie de nos problèmes actuels. Je pense que c'est en cela que notre sœur, la ministre du Burkina, nous a fait l'honneur de nous inviter avec les frères nigériens pour venir réfléchir, participer au débat avec nos collaborateurs et trouver des solutions idoines à l'ensemble de nos problèmes qui sont communs. Nous allons mettre sur place un petit comité en marge de cette semaine pour proposer à nos trois chefs d'État, à nos trois pays, des solutions idoines de collaboration et de coordination de nos actions et de nos infrastructures pour permettre à tous les secteurs de se développer très rapidement et de profiter du numérique, dont notamment la sécurité, la défense, la santé, les autres services porteurs, financiers et autres. Vraiment, je pense qu'on pourra trouver une solution très rapidement et ça sera peut-être le premier secteur qui puisse contribuer concrètement à la matérialisation de cette alliance. Ça nous fait honneur d'être là et nous vous remercions beaucoup. Merci. Le numérique est un puissant instrument, un puissant instrument qui nous permet de développer les services, d'améliorer la vie des populations, de leur faciliter tout simplement la vie, de leur faciliter l'accès aux services sociaux de base. Donc il est important aujourd'hui que tout le monde s'approprie le numérique, mais qu'on puisse l'utiliser de façon responsable. Donc éviter les méfaits que cela peut engendrer, la désinformation sur les réseaux sociaux, notamment dans notre contexte. Donc c'est les inviter à prendre part à cette semaine du numérique-là, à exprimer leurs préoccupations, à prendre part au débat, aux réflexions, pour que toutes les contributions puissent être mises sur la table et qu'à la fin de cette semaine-là, nous ayons des stratégies, nous ayons des solutions qui puissent en tout cas contribuer à notre résilience face aux crises qui secouent nos différents pays.